Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir vers vous sur le sujet de la candidose. J'ai fait plusieurs vidéos sur la candidose. D'ailleurs, j'ai même fait des interviews avec des personnes vraiment spécialisées hein, sur la candidose. Et je voulais vous faire part de là où j'en suis actuellement. Donc à l'époque, donc ça fait plusieurs années en arrière, en effet, la candidose, j'avais réussi à la contrôler totalement, mais suite à une alimentation très spécifique, des antifongiques spécifiques naturels, etc. Tout un protocole, tout simplement. Et donc j'avais réussi à faire qu'elle soit maîtrisée, on va dire. Parce que je ne pense pas qu'on puisse réellement... Alors, ça c'est mon avis personnel. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on a un terrain en fait qui est sensible et plus fragile à la candidose. Est-ce qu'on peut vraiment en guérir totalement? Alors certaines personnes vous diront que oui. Pour ma part, en tout cas au travers de de mon expérience, pour moi-même en tout cas, je n'ai pas le sentiment que pour le moment je puisse dire... je puisse parler de guérison, puisque la candidose que j'avais eu il y a quelques années avait été contrôlée, ne m'embêtait plus dans mon quotidien, etc. Mais elle attendait pas grand-chose finalement pour revenir. Enfin, pas grand-chose, j'exagère aussi un peu peut-être. Parce que non, ce n'était pas grand-chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'été 2020, j'ai eu une infection urinaire qui est montée en pyélonéphrite. Une infection urinaire qui monte en pyélonéphrite, c'est une infection urinaire qui va toucher les reins. Et donc, dans ces cas-là, en général, il faut prendre des antibiotiques forts pour que ça n'abîme pas les reins et que ça soit maîtrisé. Donc, c'est ce que j'ai fait, sauf que c'était à un moment donné de l'année, en été. Mon médecin généraliste était en vacances et donc, très simplement, eh bien, je me suis retrouvée face à personne, puisqu'aucun médecin ne voulait me prendre en tant que nouvelle patiente, même si je leur disais que j'étais pas une nouvelle patiente, c'était juste en attendant que mon médecin généraliste revienne. Il s'avère qu'ils n'ont pas du tout voulu me prendre en consultation. Et de fait, j'ai dû passer par, vous savez, je crois que c'est CARE ou je ne sais plus quoi. Enfin, j'ai dû faire appel à des médecins en ligne. C'est très pratique, hein, les médecins en ligne seulement. Évidemment, c'est toujours mieux les médecins en chair et en os. Surtout quand on a un médecin traitant qui a l'habitude de notre personne. Mais voilà, là c'était la panique, il n'y avait pas mon médecin, personne ne voulait me recevoir en physique dans ma ville. Donc voilà, des médecins sur internet qui sont des vrais médecins, hein, je le répète, c'est des médecins conventionnels, mais bon, qui étaient derrière un écran, se sont occupés de mon cas et en fait tout ça pour dire, je blablate, mais en fait tout ça pour dire que j'ai dû prendre 5 antibiotiques à large spectre pendant 2 semaines, c'était sur 2 semaines. Parce que chacun avait un avis différent, j'avais des nouveaux symptômes, j'avais fini aux urgences, après... Mais je n'ai pas été hospitalisée, hein, comme parfois ça peut arriver pour certaines pyélonéphrites, fort heureusement pour moi. Mais pour autant, ça a été vraiment n'importe quoi, cette gestion de pyélonéphrite, et ça s'est fini par 5 antibiotiques différents. Surtout que j'ai fait une allergie à 1, donc c'était vraiment n'importe quoi. Donc il faut savoir que les antibiotiques à large spectre, ça éradique tout, hein. C'est une sorte de bombe Hiroshima dans le corps, enfin au niveau de, pas dans le corps, dans nos bactéries, enfin au travers de nos flores intestinales, buccales, vaginales, etc. Donc indéniablement, ça a tout éradiqué, calme plat, etc., laissant place pour toute effusion, entre autres, de candidose. D'ailleurs, après quoi, j'ai eu une flambée, donc juste, mais vraiment juste la semaine qui a suivi cette prise de 5 antibiotiques. Donc en effet, ma pyélonéphrite était entre guillemets guérie. Pour autant, tout de suite, hein, vraiment, dès que j'ai terminé les antibiotiques, j'ai eu une flambée de candidose, mais inouïe, comme je n'ai jamais eu.
Donc, je vous passe évidemment les détails, mais nous, les femmes, voilà, on est sujettes entre autres aux mycoses. Et je peux vous dire que voilà, c'était innommable. Et donc, j'ai évidemment consulté, j'ai pris ce qu'on appelle les médicaments conventionnels, les fungison en interne. Enfin, de toute façon, j'en avais partout. Donc, il fallait agir bah, pareil, de manière un peu. Enfin, c'était. Voilà, il fallait que je me bourre de médicaments, entre autres. En tout cas, en allant chez le médecin et chez la gynéco. Alors sur l'instant, ça a été plutôt. Est-ce que ça a été vraiment positif? Enfin, en tout cas, sur le temps de prise de ces antifongiques chimiques, médicaux, ça a été intéressant. Et puis dès que j'ai arrêté, en fait, c'est revenu. Et c'est à partir de ce moment-là que je ne me suis jamais sortie de cette candidose. Qui, quelque part, je le dis très clairement, me donne, c'est 100% sûr, m'a volé 2 ans et demi déjà de ma vie, puisque avec cette candidose, en fait, vous avez une fatigue chronique énorme, mais surtout, vous avez aussi un brouillard mental. J'avais, enfin, j'ai un peu moins maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Un brouillard mental qui fait que vraiment, vous n'arrivez pas à réfléchir. Sur la durée, tout est trop, tout est. Voilà, il n'y a rien qui capte là-haut. C'est zombie, quoi. C'est vraiment. C'est atroce. Et donc, en plus, s'ensuit un état léthargique, un peu dépressif. Et puis, moi, j'étais toujours dans le deuil de ma maman. Toujours pas trac, un peu. Pas clair sur ce que je voulais faire, enfin voilà, c'était vraiment 2 ans et demi vraiment difficile. Alors la première année en plus, et 2 ans et demi ça semble vraiment énorme, mais la première année on se dit bon allez, cette fois, mais en fait parce que, en fait je ne croyais plus en rien. Est-ce que je crois encore à quelque chose aujourd'hui? Ça reste à voir. En tout cas je ne croyais plus en rien au niveau alimentation, alors, je crois toujours dans le naturel, etc. Hein, la naturopathie, ça, c'est ma base. Mais je parle d'un point de vue nutritionnel, parce qu'il faut savoir que l'approche pour éradiquer la candidose, celle qui est le plus mise en avant, c'est tout de même le fait d'arrêter quasiment tous les sucres. Et il y a tellement de voies différentes à ce niveau-là. Il y a tout un groupe de personnes qui vont être tout à fait voilà, dans cette mouvance de pas de sucre pendant 6, 8, 1 an, voire parfois même 2 ans, selon la gravité de la candidose. Et puis, il y en a qui vont témoigner d'avoir soigné leur candidose en quelque part, presque en ne faisant pas grand-chose, en tout cas en n'ayant pas une alimentation totalement restrictive, et qui sont plus souples et qui finalement s'en sont sortis assez rapidement, sur plusieurs mois, sans être dans une obligation alimentaire qui rend déprimé, hein, faut le dire, qui est tellement restrictive. Donc moi je n'avais plus la force ni la volonté de percevoir et d'entrevoir l'idée de devoir me priver de quoi que ce soit. Donc je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir une alimentation qui va engendrer en fait la candidose, qui va nourrir particulièrement dramatiquement la candidose. Certes je suis capable de manger du sucre ou des produits fermentés, mais je ne mange pas entre les repas. J'ai une alimentation très saine par rapport au commun des mortels, hein, faut le dire. Je me l'entends déjà beaucoup trop dire par ma famille. Ça m'arrive parfois qu'on me dise oui, tu n'es pas assez dans le plaisir, etc. Moi, j'ai pas du tout ce sentiment, mais enfin bon, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas du tout dans une surconsommation de sucre, pas de produits spécialement industriels, enfin voilà, rien qui fait que vraiment. Donc vous pensez bien que si je m'autorise, je dirais que pour moi, peut-être que pendant ces 2 ans et demi, la plus grosse erreur alimentaire, c'est le chocolat. Je dirais que c'est vraiment le seul excès, et là je peux bien le dire, je parle vraiment d'excès,
Le chocolat noir, j'en ai vraiment fait des excès. Alors, quand je dis chocolat noir, c'est 85 à 90% celui que je mange, mais j'étais capable d'en manger énormément. Pas une tablette par jour, mais on va dire moitié d'une tablette, voire dans les pires des journées, les trois quarts d'une tablette. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois que entre le décès de ma maman, ce côté très réconfortant qu'a le chocolat, très en fait, c'était ma compensation clairement. Donc ça, j'ai conscience que c'était pas du tout une bonne idée, tant pour mon foie que pour tout un tas de raisons. Mais c'est sensiblement tout ce que j'ai fait pendant ces 2 ans et demi qui était vraiment bizarre et mauvais. Je consomme du pain sans gluten au levain bio, un pain qui coûte très cher. Mais en fait, c'est ça, il faudrait presque tout enlever. En fait, c'est ça, il faudrait même enlever mon pain super, super bien fait, super bien. Enfin, pour moi, c'est trop, c'est exagéré, ça va trop loin. Enfin, pour moi, c'est trop privatif, en fait, c'est trop. Donc, du coup, je vous cache pas que pour le moment, pendant ces 2 ans et demi, moi, je pouvais pas, en fait. J'avais pas la force, j'avais pas la volonté. Rien que d'imaginer un plan alimentaire dans lequel je devais me mettre, dans lequel je devais quelque part avoir un stress en plus, une angoisse, une anxiété, parce qu'en fait, le sentiment, rien que le sentiment de me dire, donc déjà que je mange tellement sainement, que je fais un effort depuis des années à manger sainement, ça me plaît, mais j'ai quand même conscience que y a des choses que je ne m'autorise pas. J'ai quand même pas en enlevé encore plus, quoi. Je vais me retrouver à manger quoi? Enfin, oui, je mangerai toujours quelque chose, mais le plaisir, là, c'est même plus pensable, quoi. Je veux dire, moi, je suis désolée, un repas fait que de protéines et de légumes, moi, ça va me convenir. Je l'ai déjà fait, ça va me convenir une semaine, 2 semaines. Ça va me sustenter, mais très rapidement, à un moment donné, je vais craquer, quoi. Je vais me dire, maintenant, je vais manger une banane, je vais manger une date, je vais manger, je sais pas, ou je vais finir par me faire des biscuits maison. Alors d'ailleurs, c'est assez drôle parce que je me suis fait des biscuits maison pendant ces 2 ans et demi. Alors ça, je me suis quand même rendu compte que ça ne fonctionnait pas, quoi. Vraiment, ça ne passait pas au niveau de ma candidose. J'avais tout de suite d'autant plus de symptômes. Et pourtant, des biscuits sans gluten, avec très 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 peu de sucre, on peut pas s'imaginer que ça. Enfin, moi, je pouvais même pas comprendre pourquoi ça pouvait me faire une réaction comme ça. Je trouvais que c'était vraiment excessif. Bref, en tout cas, 2 ans et demi où j'espérais en fait qu'avec une... parce que j'ai toujours pris des compléments alimentaires pour soutenir mes défenses immunitaires, qu'en fait ça suffirait, que de temps en temps un peu de propolis, de temps en temps un peu de la pâte chaude, que finalement ça suffirait. Sauf que je dois en venir au fait que pendant ces 2 ans et demi, ça a été, je vais pas dire de pire en pire, mais pas loin. C'est devenu... là, cette année 2023, je perçois bien que si j'agis pas... je peux pas me permettre de perdre encore 2 ans et demi de plus, 3 ans, 4 ans, enfin, c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que dès que je vais mieux, et que j'ai des paliers de mieux, alors là, je suis dans l'énergie, je suis dans la créativité, je suis dans la réaction, je suis vraiment, mais d'une énergie de tout est possible, tout est envisageable, c'est fantastique. En fait, je redeviens ce que je suis naturellement. Et c'est là où vraiment je me dis waouh, c'est hallucinant combien, je me suis vraiment fait voler 2 ans et demi de ma vie pour le moment. J'espère que ça sera tout. Parce que là, je suis vraiment. J'ai retrouvé de la volonté parce que je me rends compte quand je regarde en arrière que c'est juste pas possible. Moi, je suis quelqu'un qui aime avoir des projets, qui aime réaliser des choses. Et 2 ans et demi à vivoter complètement et être complètement
submergée par juste ce truc qui prend possession de mon corps, et de mes états d'âme, de mon énergie, de ma santé en général, c'est juste pas possible. Donc voilà, que vous dire d'autre? Donc aujourd'hui, je dirais que je suis vraiment lancée en tout cas dans... Alors, disons que je ressens que j'ai plus de volonté, que je suis plus déterminée à m'en sortir, donc ça c'est déjà bien, parce qu'avant j'avais tellement pas de force, tellement pas d'énergie, tellement pas de volonté, que même, je sais pas moi, tout était trop, de toute façon, l'alimentation c'était trop, avoir un plan d'antifongique, de machin, c'était trop, tout était trop, faire un bain de bouche c'était trop, vraiment c'était une fatigue... Vraiment, il y a des moments, c'est vrai que c'était... Et puis heureusement, pendant 2 ans et demi, hein, vous l'étiez bien, heureusement, ça n'a pas été quand même toujours très linéaire dans cet aspect catastrophique. Il y a quand même eu des journées, quelques jours, quelques semaines, où tout d'un coup, je retrouvais un peu d'énergie, un peu de force pour réaliser des choses, pour faire des choses. Mais de manière générale, si je dois voilà, faire la conclusion de ces 2 ans et demi, c'était vraiment une fatigue chronique terrible. Mycose vaginale, mycose intestinale, mycose buccale, enfin... Et j'en passe, il y a peut-être des choses que j'oublie, mais... Voilà, donc là, cette année 2023, je réagis, je suis inscrite sur le coaching, enfin le programme plus exactement de Juliette de Fricocotte qui est spécialisée, naturopathe spécialisée dans la candidose. Donc pareil, ça fait déjà un moment hein, que je suis inscrite à son programme et blackout, hein, vraiment impossible de faire quoi que ce soit. Limite, pas que je comprenais pas, mais c'est incroyable quoi, c'était trop, tout. Dès que j'avais trop d'informations, vraiment, c'était trop. Donc, pas de volonté, en fait. Pas de volonté, tout simplement. Et donc là, je suis repartie à bien mettre, à commencer le programme. En parallèle, j'ai commencé surtout une cure spéciale candidose via la marque de compléments alimentaires Biophénix que j'adore. Enfin, je vous le dis à chaque fois, mais il faut absolument que je fasse une vidéo dédiée aux compléments alimentaires et à l'importance de comment on choisit ses compléments alimentaires. Et donc je teste cette... c'est une cure hyper bien pensée, je trouve, qui déjà, en tout cas, me permet d'abord de faire cette vidéo. Vous voyez, j'ai assez d'énergie pour la faire, pour vous en parler, j'ai les idées claires. C'est déjà un bon plus, et pourtant je viens juste de commencer, ça fait 4 jours, 4-5 jours. Donc vous voyez, déjà je me sens mieux. Voilà, donc je vais voir tout ça, mais vraiment j'ai besoin de me sortir de là, mais absolument, je ne peux plus vivre de cette manière. 2 ans et demi, c'est énorme, énorme. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc du coup j'ai créé une page Instagram qui s'appelle Stop Candidose, sur laquelle si le sujet évidemment vous touche et vous intéresse, sur laquelle vous pouvez me retrouver. Alors moi, j'ai pas du tout, je suis pas naturopathe, hein, donc du coup, je vais pas vous donner, je vais vous partager des informations que je connais et que je peux mettre en pratique ou que je trouve sur Internet, mais je ne vais pas vous faire, je ne suis pas naturopathe. Si vous voulez vraiment des infos très spécifiques, très suivies, très sérieuses, c'est sur le compte de Juliette de Fricocotte, Juliette. Qui a vraiment fait une plateforme dédiée et qui répond facilement à des questions, etc. Donc voilà, et puis c'est tout, cette vidéo aura été évidemment très longue, mais si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que le sujet vous parle. En tout cas, moi, je veux m'en sortir. Donc là, il n'est plus question de me dire que j'ai pas de force, que j'ai pas de volonté, que je fais le blackout. C'est décidé, l'année 2023 sera sous le signe du changement et de la guérison de la candidose, donc il faut vraiment que j'agisse. D'ailleurs, je n'hésiterai pas à vous
parler de tous ces livres et de toutes ces informations diverses et contradictoires, parfois, même très souvent, que je lis, que j'entends, etc. Et comment faire le tri au milieu de tout ça. Ça, par contre, je ne suis pas très à même de vous le dire. Mais encore une fois, bah, c'est des choses qui se testent et qui... Voilà, il faut voir sur l'expérience. J'espère que vous allez bien et surtout que vous prenez bien soin de vous, au naturel, n'est-ce pas? Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, à bientôt.